Continue. Ne lâche pas, vas-y. Stop, 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 stop. Voilà, un combo contre Wenazo. Un combo contre Wenazo. Un combo autrement appelé Bendé. Maître Bendé, donc en ceinture rouge, contre son adversaire Wenazo. Wenazo de, qui est donc en ceinture bleue, avec Maître Bana. L'arbitre international avec le commentateur HB International, Issana Bouala. Voilà, c'est parti. Maître Bendé. Avec Wenazo, mesdames et messieurs, et quand vous le suivez bien, c'est la compétition internationale de Jiu-Jitsu. Nommé Elikia, 5e édition, qui est organisée par Maître Manassé, le sport en Boca. Et voyons bien ce que se passe. Voyons bien l'événement de ce combat. Et on va voir quel sera le résultat de ce combat. Qui sera le victorieux de ce combat, qui remportera la victoire dans ce combat, la compétition internationale de Jiu-Jitsu. Et suivant bien. Ok, comme nous le voyons bien. Maître Chris Wenazo contre un combo Ebende, voilà, et nous sanctions à côté de Wenazo Chris. Voilà, Wenazo Chris en ceinture bleue contre Ebende. Ebende en combo, un combo Ebende en ceinture rouge. Les deux adversaires sont tenus ensemble et nous voyons qu'ils se cherchent. Nous voyons comment ils se cherchent. Voilà Ebende qui ose de menacer son adversaire. Et voyons, à présent, il a eu donc la possession de son adversaire Wenazo. Voilà, et ensuite, là-bas, à côté de l'arbitre, Maître Ebana. Voyons bien comment Ebende qui prend la possession de son adversaire. Ok, on appelle sa technique Newaza entre ses deux adversaires. Voyons bien. Se prépare, finale, l'un de ses 77 kilos, contre Mafundi Fat. Voilà, il y a un maté. Il y a un maté, les deux sont vraiment très fatigués, très épuisés, mais on ne sait pas la fin qui a remporté la victoire que le vainqueur. Je crois bien c'est Bendé, hein. Et Bendé, en combo, et Bendé a remporté la victoire dans ses deux fronts. À suivre l'international Issana Bouala, le Brazzasport Magazine. Victoire en combo, faire du passe au final.